télécharger. New game, c'est parti. Il va falloir télécharger le jeu. Hop. Allez, on va laisser faire. Long ago, people lived in peace, bathed in the warmth of light. Everyone loved the light. Then, people began to fight over it. They wanted to keep it for themselves. And darkness was born in their hearts. Darkness spread, swallowing the light in many people's hearts. It covered everything, and the world disappeared. But small fragments of light survived. J'ai mon wifi qui est en train de galérer. Fragments of light, children rebuilt the lost world. It's the world we live in now. Alors, graphiquement, ils ont fait un énorme effort. Visuellement. Après, j'ai vu 2-3 screens et les personnages sont plus dans le sens. Dans le délire des prochains là, Final Fantasy, c'est Final Fantasy World ou un truc comme ça, je sais plus trop exactement le nom. Et c'est vraiment, ouais, voilà. Vraiment en mode chibi, archi mignon, archi SD, enfin super déformé. Et on va voir ce que ça donne quoi. Ça se télécharge pas vite. En même temps, je les télécharge sur les serveurs américains donc bon. Donc c'est la version Chi de Kingdom Hearts X. C'était sorti à l'époque en fait, et était sorti je crois sur une des consoles, je sais plus laquelle. Ou alors il est sorti sur téléphone à l'époque, sur les téléphones japonais. Mais en tout cas, content de cette sortie américaine. Il est prévu en Occident, donc du coup il va pouvoir sortir en français. Plutôt pas mal, bon là il va être en anglais mais... Pour le coup, je ferai rapidement une vidéo sur comment le télécharger, comment l'utiliser. Enfin, après, ça dépendra de vos téléphones Android, mais je vais faire une petite vidéo rapidement, 3 minutes même pas, comment en fait le récupérer et le télécharger, parce que j'ai vu comment le faire. En fait, en gros, on peut aller le télécharger sur le store américain. J'essaierai de retrouver le lien, mais normalement, on peut le télécharger en fait du store américain, et du store américain, on peut l'installer en fait directement avec l'APK. En mettant les sources, en fait, en gros, en disant qu'on veut bien installer des sources inconnues et donc c'est pas mal. Par contre, les musiques sont au top. Ah, ce deuxième fichier est apparemment beaucoup plus petit. Très très bien. J'aurais pas tenu là, j'aurais coupé le truc. Ah, j'en ai marre, c'est pas assez rapide. Par contre, je n'ai aucune idée du gameplay, donc ça va vraiment être la découverte. Je ne me suis absolument pas renseigné dessus. Ce qui est tout à mon honneur, mais qui, du coup, va vraiment me permettre de découvrir de A à Z le jeu en même temps que vous. Eh ben, 300 joyaux, c'est cool ça. Bon, ça, c'est les joyaux, les méthodes à l'ancienne de tous les trucs qui se font habituellement sur les jeux sur le jeu Android. Donc ça, bon... Pas trop de surprise. Alors, what is your name? Kazuma. Ok. On va pouvoir choisir un certain nombre de choses. Donc, si on est une fille ou un garçon.
Ouais, c'est plutôt joli. Cool black, c'est pas mal comme ça. 7. Ah ouais, c'est des 7 en fait, d'accord. Sinon, on peut avoir des vêtements. Les accessoires, on peut choisir en fait, ouais, on peut choisir par exemple d'avoir les cool red ou les shorts blue pour le coup, ou les black tout simplement. Mais bon, ça va pas très bien ensemble, je trouve, ces deux-là. Je trouve que c'est un peu mieux déjà, mais bon, c'est bien, c'est limite. Alors, hairstyle, layered, non, je serais plus comme ça. Hair color, on va pouvoir choisir la couleur des cheveux aussi. Ah, il y en a en bas, il y en a plus bas là. Ouais, voilà, je me disais. Ok, bon, pas plus, paf, c'est pas ouf, bon, on va prendre ça. Les faces. Alors, qu'est-ce qu'on a? Regardez celui par défaut, celui-là est bien. Et skin, bon, bah, skin, ouais, c'est pas mal comme ça. Je vais laisser, hop. On va laisser comme ça, c'est très bien. Hop, ok, allez, go! Pouldar, Pouldar, Serpentard, Serpentard. Il y a tout en plus, hein. Il y a Serpentard, il y a tout. C'est hallucinant. Je dirais que c'est un ours, là. Il y a une panthère, un ours, une licorne, qui a l'air plus féroce que le. La licorne a l'air plus féroce que le léopard, quoi. C'est quand même. C'est bien foutu. Un renard et un serpent. Pour quelle union on va combattre? C'est une bonne question. Serpentard! quelle union je vais choisir? J'ai pas envie de l'ours, ça c'est sûr. Le serpent me tente bien, il a une bonne gueule. Là, je me tâte. Vraiment, je me tâte entre ces deux-là. Honnêtement, parce que là, c'est fait un peu trop. Genre, c'est quoi ce cheval, quoi? C'est plus un tueur que l'ours, c'est abusé. Je me tâte entre les deux. Allez, c'est parti. Vulpies. Vulpies, qu'est-ce que c'est en anglais, Vulpies? Ah, je suis pas mauvais en anglais, mais là, quand même. Je vois pas ce que c'est. Ah, c'est un vrai renard, en fait. Le Vulpies. Ok, le Vulpies, c'est les renards roux. Est un genre de mammifère carnivore de la famille des canidés et regroupe des animaux appelés renards. Voilà, donc en gros c'est les renards roux, les renards polaires, les renards, voilà, les renards quoi. Donc bah écoutez, hop, c'est parti, renard. Ça me plaît bien. Les ténèbres, the darkness. Alors, c'est plutôt joli. Mais par contre, ça fait vraiment, vraiment, vraiment penser à du Adobe Flash. L'animation Flash pure dure, 2D avec des petits mouvements sur certaines parties de la 2D, quoi. C'est du découpage façon. Façon. Comment il s'appelle ce dessin animé Bon, c'est rien à voir d'ailleurs, mais. Façon South Park en fait. Bon, avec évidemment des graphismes complètement différents, mais quand même. Alors, tap the screen to approach the Earthless. Ok, mouvement. Donc, on clique à un endroit pour pouvoir se déplacer. Et on est parti. Bataille. Ok, donc si on tape n'importe où, on tape au hasard. Et si on tape un sans cœur précis, on tape ce sans cœur-là. Ok, il y a trois. On voit que là, il y a trois. Comment dire, trois couleurs, donc en fait la terre, le feu et l'eau qui vont s'attaquer, enfin l'air, non, c'est l'air, le feu et l'eau qui vont s'attaquer l'un à l'autre, donc ça va, c'est assez classique jusque-là. Donc eux ils ont le feu, nous on est quel élément, je sais même pas, donc bon, on va taper au pif et puis on verra bien. Il y a info là, on va donner les dingos, c'est cool ça. Ah, c'est pas mal, hein.
Ah ouais, on peut faire plusieurs attaques, c'est pas mal. Hein. Use medals to attack. Once all medals have been used, it's the enemy turn. Donc en gros, il faut utiliser les médailles. Ah ouais, d'accord, c'était les médailles qui étaient là. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de médailles. En fait, après, c'est le tour. D'accord, j'avais 3 médailles. Après, c'est le tour de l'ennemi. Ok. J'avais pas repéré que c'était ces médailles-là, en fait. D'accord, c'est un petit peu comme dans Kingdom Hearts Chains of Memory. Avec les cartes, c'est un peu l'équivalent. Donc on a les cartes qui sont ici, on va les utiliser avec des éléments. Donc là par exemple, on a un élément d'eau, je pense, ouais c'est ça, élément d'eau, et on va taper un feu. Donc bon, supposer que ça devrait être plus fort. Effectivement, ça lui met 1008 points de dégâts. Là, ça lui met que 676. Ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Yuna, Yuna! Ah, j'ai récupéré des éléments, c'est pas mal ça. Je récupère des spring water. Allez, c'est parti. C'est pas dégueu, hein. Vraiment, c'est pas dégueu. Alors après, le système est pas le même que celui de Kingdom Hearts auquel on est habitué. Hein. C'est vrai que là-dessus, bon, c'est un peu plus du tour par tour, mais ça reste quand même assez dynamique comme ce qu'on a été habitué par rapport à la série, c'est pas mal. Vraiment, je suis assez content. Ah, j'ai vu, ouais, il y a une attaque, la jauge augmente et on peut balancer une grosse attaque. Ok, l'attaque spéciale. Là, on est à 3. On peut attaquer une grosse attaque. On peut balancer une grosse attaque après l'attaque de ce petit sans cœur. J'adore les musiques, c'est terrible. Ah, d'accord. On peut balancer une super attaque avec le. Ah oui, d'accord, ça coûte 2 et j'ai 3 là. D'accord. Et si on balance la médaille, ça peut faire une attaque, l'attaque bah, justement de Donald. Allez, c'est parti. Oh, il est bouillant, Donald. Ah, je kiffe. Boum, et donc il me reste 2 médailles. Allez, bam. Voilà, c'est le tour de l'ennemi. Il m'attaque. À mon tour, boum. Oh là là, énorme. Level up. C'est mortel. C'est bon, je vais plus jouer qu'à ça sur Android, c'est fini, vous me verrez plus sur un autre jeu, oubliez tout le reste. Des munis! Des munis! Il y a les munis! Très très bien. Avatar Coin. Avatar Coin, ok, j'ai x6 Avatar Coin. Je sais pas trop ce que c'est que les Avatar Coin, mais bon, on verra. Mithril Shard, donc voilà, des trucs sûrement pour crafter dans des éléments Mithril Shard. Morceaux de Mithril, voilà, de l'eau de printemps. Des bouts de bronze, des morceaux de bronze, très bien. Les petits dialogues à l'ancienne, oh, c'est excellent, vraiment. Ça fait plaisir. Donc elle va tout nous apprendre, c'est Shiriti qui va tout nous apprendre sur le, voilà, sur le, qui doit protéger le personne qui a la Keyblade et qui, enfin, qui détient la Keyblade, donc un nouveau porteur de Keyblade. Et il est content de nous rencontrer. On va utiliser des fragments qui sont des médailles en fait, qui sont à utiliser pour notre Keyblade. Ça, on a pu le voir juste avant dans les combats. On va pouvoir s'entraîner sur les 100 cœurs qui sont juste là. Ok. Ah, il y a pas mal de menus. Ok, donc ça c'est bon. Ça va être vraiment là pour le coup encore un coup, hein, comme d'hab. On a voilà du tu peux pas toucher à quoi que ce soit. T'es obligé de suivre le tutoriel. Donc on va suivre le tutoriel avec des grosses flèches, hein, que tu dis, c'est là. Mais en même temps, je pense que ça s'adresse pas non plus. Enfin, vu le format.
s'adresse pas non plus aux plus âgés. On va suivre le truc tranquille. On a des trucs qui se débloquent niveau 130, le Colisée, on le voit là. La fête foraine, hein, avec les derniers petits monstres qu'on avait dans Kingdom Hearts sur 3DS. Comment il s'appelle? Merde, putain, je sais plus. Complete Quête 6. Alors, ça c'est pareil, ça va être sûrement des mini-jeux. Donc on va voir tout ça au fur et à mesure. Allez, story! Ok, donc en fait on a des quêtes qui vont être avec un certain nombre d'objectifs à remplir. Et là on doit collecter 30 ou plus luxe. On doit utiliser une ou plus attaque spéciale et on doit battre un ennemi en un tour. Voilà. Donc on est parti. Et Ulf AP, alors c'est quoi les AP? Ah oui, c'est les AP, c'est le comme d'hab, voilà, le genre en gros, les points que ça va nous prendre pour nous garder sur le jeu et nous faire revenir voilà, un peu plus tard en disant ah t'en as plus, soit t'en achètes, soit tu reviens plus tard, t'attends, ça se recharge. Voilà, c'est les points d'aptitude entre guillemets qui nous permettent de faire des actions. Des points d'action. Voilà, allez, on est parti. Ah, c'est l'équipement en fait, d'accord, là on sort avec un équipement en fait. Là, on va avoir donc notre épée. Et les différentes petites d'accord, là ça va être plus 4 par exemple, ici là je suis niveau 9, plus 11, voilà, donc ça sera sûrement débloqué au fur et à mesure par rapport à notre équipement et notre Keyblade. Allez, on est parti. Select a friend's medal to take with you on your quest. Ah, c'est cool ça, on va pouvoir y aller avec des potes. J'ai vu Sora là, juste là. J'ai vu Sora. Dire Raku, Matt, machin. On va prendre. Bon, bah, il a pris Matt. Bon, on va prendre Matt, allez. De toute façon, ça a l'air d'être les mêmes. Hein. Ils ont tous le même niveau, c'est le départ. Ils sont tous au même niveau que moi, je pense. Defeat the Shadow. Allez, c'est parti. Oh, ils sont pleins. Bon, on va pouvoir faire une super attaque. Alors, flick the screen to attack all enemies. Oh, on peut faire carrément une attaque globale. Ouh, bam! Par contre, ça prend une... Et on est reparti, boum. Allez, et une dernière. On attaque tout le monde. Bam. Ah, très bon. Il nous en reste un. Allez, bam. J'en avais 4. Ah, j'ai monté de niveau, en fait. D'accord, j'ai 4 attaques maintenant. Très bien. J'avais pas repéré. C'est plutôt cool. Allez, hop. On récupère ça, on récupère ça. Il y a un autre truc à récupérer. Et on va attaquer le petit Shadow. Allez. Le sans-cœur. Et... Non, on va garder ma super attaque. Non. Je vais garder ma super attaque, je vais faire des attaques normales. Boum, boum, boum. Et fini. En un tour, classe. On a pu finir le truc de un tour. Donc on a un challenge qu'on a récupéré, qu'on a fait. Alors info, ah oui d'accord, info en fait c'est les tours avec les spéciales d'attaque. Là, ils sont 4, à mon avis, on va faire le même schéma. Hop. Voilà, c'est plus efficace, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est parfait. Oh, Yuni, elle défonce. Quête complétée. Non, je veux pas sortir, il y a un truc là. Ah, je l'ai pas pris. Dommage. Ah, j'ai eu tous les objectifs. Mortel. Je suis presque level 2. Non, j'adore. C'est archi mignon. C'est excellent. Ah, quest complete. J'ai des Jewels. Donc des trucs qui vont sûrement me donner accès à des trucs un peu rares. The Shop. Alors, on peut avoir des médailles merveilleuses et augmenter notre équipement. Très bien. Ok, augmenter notre équipement. Ah, si on peut avoir un Sora ou un Mickey. Ah ouais, 3000. Bon, pour avoir 10 médailles. Donc je pense qu'il va falloir garder... Ah ouais. Ah si, on peut avoir un Riku en mode Aizen. Oh là 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 là, en Semp. Oh Aizen, oh là là, laisse tomber, moi j'ai fait un mélange là.
J'ai eu un Mickey. Yatai! Ah ouais, si je peux avoir un Sora vénère là, ou même un Simba. Pff, oh là 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 là, Simba quoi. Allez, try keeping your new medal. Ok, try it now. Ok, swap medal. Ah non, on va pas enlever Donald, si on... Ok, bye bye Donald. Alors, on est ready, on va aller repartir au quest. Powerful medal points 2. Ok. Alors, c'est un petit peu long, mais c'est un petit peu rapide en même temps, parce qu'ils nous laissent pas tellement le temps de découvrir. Ils nous disent, bon bah c'est là, et puis après derrière, c'est bien fait ces tutoriaux, mais si on nous laissait un peu le rythme, ce serait pas mal quoi. C'est pas mal du tout même. Bam! Ah ouais, il fait mal Mickey. Je suis limite à les tuer en un coup en fait. Super moche non plus et bon après faut aimer le style hein, parce que c'est quand même un peu c'est pas vraiment Kingdom Hearts comme on l'a connu mais il y a quand même beaucoup de références, ça reste dans la licence donc tu vois genre en gros Sableau, tu ressembles pas du tout au héros. Ah non du tout, t'es pas Sora hein, c'était un héros en fait, t'es un porteur de Keyblade avant les événements en fait de Kingdom Hearts de Sora, donc en fait tu te retrouves dans un monde qui est détruit par pris par les ténèbres et dont les enfants en fait peuvent amener la lumière grâce à leur cœur pour reconstruire le nouveau monde. On est dans ce monde là en fait et c'est avant, juste avant en fait la guerre des Keyblades, donc c'est censé faire la correspondance en fait entre Kingdom Hearts, la guerre des Keyblades et tout ce pan qu'on ne connaît pas, donc c'est vraiment un épisode qui va servir dans l'histoire. Qui n'est pas un épisode à part caché, genre en mode ouais, on veut faire des sous, tu vois, c'est pas du tout dans le genre, c'est vraiment une partie de l'histoire, quoi. Donc c'est hyper intéressant. Après, j'ai lu la lettre que le créateur balançait, et en gros, il disait voilà, moi je veux vraiment faire quelque chose avec cet épisode, et en attendant Kingdom Hearts 3, en attendant ce qu'on peut faire plus tard, quoi. Et tu vois les attaques, tu te dis ah ouais, en fait, t'as des médailles avec genre tout le monde. Et tu peux, avec ces attaques, tu peux appuyer là pour frapper l'ennemi suivant ce schéma, tu sais, la trinité des rouges, rouges, bleus, verts, c'est la terre, le feu, le machin, l'eau. Et non, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, franchement, c'est pas mal. Après, ça pisse pas, ça pète pas de trois pattes à un canard, mais quand même. Non, le canard, c'était pour Donald. Le pauvre. Et en fait, tu vois, tu peux faire des attaques comme ça, t'as des attaques sympas. Et donc là, c'est sur ton téléphone, et ouais, grâce téléphone, à ton... Non, c'est pas avec... Non, c'est parce que je l'ai branché avec Sightink. C'est sur ça, en fait. Voilà, c'est le truc que t'as acheté. Non, mais c'est... Non, ça dit non. Non, c'est Sightink, c'est une application Android qui fait que mon téléphone est sur... Attends, c'est regarde. Cool.
trop bien. Ah yes. Yes. My queen. Ah terrible, j'adore. C'est l'histoire de Blanche-Neige quand même là pour le coup. Ah, il y a Blanche-Neige en haillons là qui est genre à côté d'un puits, c'est excellent. Elle est en train de chanter et il y a le prince charmant qui arrive. Excellent! Le prince. Oh, l'autre qui est haineuse là. J'adore! J'adore! C'est excellent! Punaise! Il est trop fort! Il est trop fort! En fait, il faut bien aller fouiller les zones parce qu'en fait, on peut se retrouver à sortir de la zone sans avoir fait le boulot. Donc, faut vraiment faire gaffe. Ah, dommage, j'ai pris cher quand même, hein. J'aurais dû faire ça dès le début. Ah, je pouvais pas aller me rendre derrière là, c'est bizarre. C'est dommage. Ah, j'ai pas des. Ah, j'ai pas fait tout. Ah, allez, j'y retourne, je la refais. Je crois que je suis encore dans le tutoriel, donc je vais pas pouvoir. Ah, level up! Mortel! 5 coins d'avatar. AP fully restored. Yes! Oh mortel, c'est terrible. Ok, je peux augmenter ma Keyblade avec des... Ah bah justement avec les éléments de craft, d'accord. Allez, Keyblade level up. Ah bah oui. Allez où? Starlight plus 1. Ah très bien. Donc, j'augmente quoi? J'augmente un petit peu le slot 1. Et je gagne une attaque spéciale. D'accord, j'ai 9 sur... Et je commence à 4. Oh, terrible. Ça va chier. Allez, c'est parti. On va tester la nouvelle Keyblade, donc avec un petit peu plus de patates. Et on va essayer de finir cette quête, parce que là, du coup... Ah, Dwarf Woodlands. La forêt des nains. Excellent! Allez, je suis en mode présentation, je vais peut-être laisser comme ça. Parce que du coup, je vais repasser sur le PC. J'étais sur le téléphone, mais je vais repasser sur le PC. Prof, c'est prof, c'est excellent! Bon, j'ai hâte qu'ils sortent en français quand même, parce que bon, même si
Si je suis bon en anglais, c'est quand même plus sympa de l'avoir en phrase, en French, en French, en français. Ah, personne n'est revenu. Oh là là. Bon, on va aller les chercher, t'inquiète. Où est-ce qu'ils ont pu aller? Ils ont disparu, donc du coup, ils se sont fait attraper, je pense, par un sans-cœur. Le pauvre, il n'y a plus que lui qui s'est sauvé et... Bah bien sûr que je vais aller sortir tes amis de là, attends. Tu rigoles? La lumière dans nos cœurs, faut aider les autres. Compte sur moi pour faire échapper les ténèbres d'ici, t'inquiète. Ah, puis en plus, ils sont 7. Ça va pas être une mince affaire, ça. Bon, au moins, sur les 7, il y en a un qui est là. Donc, ça m'en reste 6 à trouver. On va le faire. Easy way. Ah zut. En fait, il faudrait vraiment que je fasse le... Là, il y en a 3, je devrais pouvoir le faire en une fois. En un tour. Ah ouais, d'accord, lui là. Oh, chaud. Allez, je balance tout. Allez, je balance tout, je suis un fou. En un tour. Yes! Excellent! La classe à la lasse. Là, celui-là, normalement, je l'ai à fond. Ouais, j'ai tout. Cool. De munis. Des avatar coins. Des jewels. 150 jewels. 3000 munis! Oh là là! Ah, on a des titres en plus. Oh, ça va pulser ça. D'accord, toutes les 5 missions, enfin toutes les 5 quêtes, on a des Jewels et des Munis. Bah, c'est bien, c'est facile à retenir. 5, 10, 15, 20, bon, c'est bien, parfait, très bien. On peut pas revenir en arrière. Bon, tant pis, je voulais finir celui-là à fond, mais tant pis, il veut pas. C'est le... Voilà. Bon, c'est le... C'est le propre du tutoriel, c'est tu le fais bien une fois ou tu le fais pas, quoi, c'est... Ah, il y a... D'accord, il y a un ennemi qui est là, The Nosy Mole, la taupe avec un nez un peu bizarre. Alors on va prendre Emile, il est plus fort. Ouais, je vais prendre Emile. Kingdom Hearts 2, King Mickey, d'accord, le roi Mickey de la version Kingdom Hearts 2. Très bien ça, 3 étoiles, pas mal. Et c'est un magie. Bon, je vais le prendre quand même, hein. Il a l'air d'être plus fort que l'autre. Allez, c'est parti. Alors, il faut protéger prof de des ennemis. Ok. Allez, on est parti. Alors, ils sont 3. On va pas dépenser d'attaque spéciale. Par contre, on va leur faire un petit coup de Trafalgar. Bam! Bam!
Ah, ils sont pas morts? Eh ben regarde, si t'es mort. Boum. Allez. En un tour. Ça c'est fait, yes. Alors toi, tu vas prendre cher. Tu vas prendre pour les autres, hein. C'est comme ça. Alors là, j'ai pas le bonus. Par contre, là, j'ai le bonus parce que c'est de l'eau. Et avec Mickey, j'aurai le bonus aussi, donc nickel. J'ai bien fait de prendre Mickey. Parfait, boum, allez, dégage. Et là, je suis à 7 quand même. Va falloir 8. Ah, va falloir les dépenser. Toi, tu vas payer. Ah là, je suis plus faible. Parce que j'ai Mickey, je suis plus faible. Que lui, il sera plus fort que moi, en fait. Ah bah non, non, c'est bon, non. Si. Ouais, si, ouais. Ah voilà. C'est lui qui est... Là par contre, c'est moi qui suis en position de force. Ah non, c'est lui qu'il fallait taper. Ah, j'avais pas vu, il y en avait un derrière. Ah, abusé, c'est pour ça. Allez, on va faire une attaque spéciale. Bam. Et on le tue, allez. Et là, on le fume en un coup, voilà. En un coup. En deux coups. Oh bon. Bon, ça va qu'il y avait Mickey. Je l'ai quand même tué en un tour. Ah, j'ai 8 là, je les éclate. Allez, je les éclate que avec des attaques spéciales. Je me fais ça en un tour. Que avec des attaques spéciales. Ils vont pas comprendre ce qui leur arrive, tiens. Et d'un, boum. Et de deux. Et la troisième, elle arrive, t'inquiète. Regarde ça. Hop, t'as rien vu venir. Bam. Même pas besoin du friend là, de l'ami, rien du tout. Oh yeah! Oh, j'ai eu un Donald version A. Ah, j'ai eu un neveu! Un neveu! Leveling up medal point 1. Ok, donc ça je peux le faire en level up en fusionnant en fait les médailles des mêmes attributs pour gagner plus d'XP. Oh, il tue. Ah ouais. Ah, voilà la pub qu'ils font quoi. Ah ouais, attends. Alors on va passer en level up. Allez, on va level up Mickey. Level up Mickey. Et on va lui faire monter son niveau, donc on va mettre le neveu. Hop. Et level up. Alors ça requiert 80 munis. J'en ai 3500, c'est bon. Ça va le faire monter level 7 sur 40, d'accord. Et je sais pas, c'est pas ce que ça donne. Quand on va être au maximum, je suppose qu'on va pouvoir le faire monter d'une pièce, enfin un truc du genre, je sais pas trop. On verra. Ils vont nous le dire bientôt. Mais c'est, ça reste, dans le gameplay, dans la construction, ça reste quelque chose de très classique. Hein, vraiment un peu comme tous les jeux d'Android que j'ai pu voir jusque là. Level 7, voilà, avec plus de stats, plus de force, plus de défense. Voilà, on a gagné de l'expérience, on gagne en force et en défense, très bien. Hop, c'est parfait. En plus, il nous montre des petits raccourcis, sympa. Bon voyage. C'est pour rappel, c'est la version américaine. J'adore. Parce que là, ils nous disent « Bon voyage !» Voilà, avec l'accent. Ils se prennent pour des Français, alors que voilà. C'est marrant d'être Français et de voir ça, quoi. Ah, je vais pouvoir refaire ce que j'avais pas fait. Defeat all enemies avec un seul... En un seul tour, tous les ennemis avec un seul tour. Pas de problème, je le fais. Je les défonce. Ça, on l'a vu. On l'a vu tout à l'heure. Ah, j'ai failli pas le faire. Oh! Bon là ils sont que deux donc allez pas de risque. J'ai bien fait de pas prendre de risque. Oh là là, j'ai failli pas le faire non plus.
Bam! Eh ben c'est fait. Let's go. Oh, level 3. Ça monte, ça monte, ça monte, ça ne s'arrête plus. Alors. Alors, il manque du mithril. Donc je vais pas pouvoir augmenter ma Keyblade. Medal list. Ah, je peux carrément... D'accord. Ah oui, en fait, je peux partager ma carte. Alors là, évidemment, la carte la plus forte. Je peux partager ma carte avec les autres. C'est plutôt pas mal. Ah bah j'ai ouvert le spécial, ça y est. Hop. On va aller regarder ce que c'est. Expérience, médaille, speed. Evolve, médaille, speed. Lady Luck Materials. Et là c'est fermé. C'est le samedi et le dimanche. Le lundi et le mardi. Le vendredi, ça doit pas être loin. Wednesday, Friday, Tuesday, Wednesday, Monday. Oh là là. Wednesday, Saturday... Et pourquoi il n'y a pas du... Nous, c'est Friday, normalement. On est Friday, là, ouais. On est Friday. Friday, normalement, c'est la Evolve Medals. Mais... Ah, Weekly Jewel Extravaganza. Unlock all special quests till the end of the week. Each week ends on Sunday. At Pacific Time. Minuit Pacific Time. Et on a 3000 de Jewel. Et pour le prix de 1700. Mais en fait, il faut pour 13,18€, on peut acheter cette weekly extravaganza là et obtenir le truc spécial qui est ici. Et sachant que actuellement, on peut pas l'avoir parce qu'on n'a pas acheté. Bah, bouh, c'est pas bien, il faut acheter. Oh là là. Voilà, 13,20€ quand même, hein, c'est pas rien. Ça va, il se tripote pas. C'est pas la peine, oubliez-moi. Par contre, Thursday, bah, on a des trucs là débloqués, mine de rien. En fait, on pourrait débloquer. Si je fais ça, je viens de comprendre. Là, c'est Tuesday. Là, pour ça, en fait, j'ai droit à toute la semaine. Tous les trucs. Que là, si je regarde, je l'ai débloqué pour Thursday, pour vendredi. Tous les Thursdays sont débloqués. Donc, en fait, c'est Unlock All qui va me permettre d'avoir... Voilà, pour 13,18€, c'est le Unlock All. Permettre de l'avoir toute la semaine, n'importe quand. Ça m'intéresse pas, donc du coup, on va essayer de vérifier. Qu'est-ce que c'est que ces trucs Lady Luck Materials. Lady Luck, mais ça m'intéresse pas. Evolve Medal Speed et Experience Medal Speed. En fait, c'est des médailles liées à l'expérience pour obtenir plus d'expérience sur des médailles qui auront cette couleur-là. Donc en fait, on aura la couleur suivant la journée, on aura une couleur différente. Donc on pourra faire, par exemple, Tuesday, donc ça va être le mardi. Tuesday, ça va être le power pour l'expérience. Le mercredi, ça va être la magie. Tuesday encore, voilà, Evolve Medals. Evolve Medals, Magic. Voilà, c'est en gros, le samedi et le dimanche, c'est pour les Evolve Medals pour les 4 et 5 étoiles. Donc c'est des trucs, pour le samedi et le dimanche, c'est des trucs un peu plus poussés pour les grosses cartes. Friday, Starlight Materials. Tuesday, Wednesday, ok. Three Wishes Materials. Et Olympia le lundi.
Le lundi, ça a l'air sympa. Ok, bon, allez, let's go, on va sortir de là. J'ai pas de carte pour le speed en vert, donc bon, on a pas trop besoin. On va retourner à Story, et puis on va continuer un peu l'histoire. On va peut-être débloquer des cartes vertes, justement, des médailles vertes. Pour l'instant, j'ai une médaille rouge, une médaille bleue, j'ai pas de verte. Unlock 4+, bah du coup, spécial jauge, max out 30. Ah oui, je peux augmenter, en fait, là, quand je suis sorti, j'avais 8. 8 en jauge spéciale, et en fait, j'ai gardé ma jauge spéciale après avoir fini ma partie. C'est pas mal, c'est bon à savoir ça. Allez, on va prendre Ethan, il a l'air fort. Merci Ethan d'ailleurs, si tu nous regardes. C'est improbable, mais je le fais quand même. Allez, c'est parti, on va les taper. Ah bah, un tour même. Une carte. Ah ouais, très bien. J'avais pas repéré. En fait, les niveaux sont assez grands, mais bon, ils sont dessinés vite fait quand même. Mais bon, tous les téléphones sont pas puissants comme une 3DS ou comme une PS Vita. Donc c'est vrai que bon, on peut pas non plus demander. Ah yes, les petits sorciers là, ils sont terribles. J'adore. Ah ouais, par contre, quand c'est du feu, ils ont pas mal. Yes, alors j'ai débloqué deux coffres pour l'instant. Deux coffres là comme ça. On va voir ce que ça donne après. Salut Doc. Ah oh. Allez, je suis au max. On va dépenser des petits points. Boum. Allez, on va faire les attaques. Et on va les cramer. Oh bah je l'ai tué là. C'est bon, il est fini lui. Oh, il a survécu. Oh le cochon. Allez Yuna, bam. Dégage. Quest completed. Yeah. Goofy. Oh, j'ai un Moogle. Ah les gros là, les large body, ah non ils vont me saouler. Ah ils me saoulaient déjà dans Kingdom Hearts le premier, c'est les gros là, les grands, oh là là. Oh, il y en a un, il a un Sora Kingdom Hearts 2. Il a un Sora Kingdom Hearts 2 version A, 4 étoiles. Oh là 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 là, oh là là. il est trop classe. C'est des badges en fait, c'est l'espèce de petite... c'est excellent je trouve, oh là là, mais je vais le choisir. Hein. Ah, c'est obligé. Ah, c'est une fille en plus, Luna. Bon, bah, allez. Je te choisis. Viens dans ma team. Mais of course, I will help you. I will help you to the end of the world. Donc c'est très, ça a été, en plus ça a été programmé par en partie en tout cas, ça a été supervisé dans la programmation par je ne me souviens plus de son nom, mais c'est en fait un des développeurs, d'ailleurs le développeur principal de Till the End.
Till the World Ends ou un truc comme ça. Enfin, je sais plus. Bref, un jeu de Square Enix encore sympa qui était sur DS. Ouais, qui était ouf. Super bien ce jeu. Et on est parti. Allez, hop, Sora. Oh, oh là là. Le finish him, quoi. Laisse tomber, le truc, c'est un tueur. Allez, on va finir les autres. La tuerie, quoi. Bah ouais, en un tour, t'inquiète. Ah bah je rigole pas, en un tour direct. Allez, oh par contre, ils sont trois là. Pff, oh, va falloir faire quelque chose. Allez. Mickey. One shot. Énorme, Mickey, j'adore. Il est terrible. Ah yes, j'ai eu des... Oh bah level 6, enfin 6 en spécial. C'est bon, je vais pouvoir me le faire. J'ai 6 en spécial, je vais pouvoir balancer et lui et Sora tout à l'heure. 6 survie à Mickey plus Sora. Mais... Ah ouais, il va survivre. Oh, il a masse HP, le cochon. Bon, Yuni, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais ce sera pas toi le final, je vais le faire le final avec Sora. Allez, je garde le tout, je garde le spécial pour lui. Oh là là, ça va pas le faire. Ah, ça va pas le faire. Ah. Fais-le, s'il te plaît, tue-le. Ah, ça le tue pas, moche. Ah, c'est trop laid. Ah, je vais pas le faire. Oh, et puis il me met des tartes, oh là là. Ah ouais, il fait mal. Oh. Moi, je l'ai pas fait en un tour. Ah, dommage. Ah, je reviendrai plus tard quand j'aurai augmenté ma Keyblade, mais... Oh là là, balèze, balèze. Ouais, voilà, defeat the target enemy within one turn, et pourtant j'avais un gros. Ah, dommage, franchement dommage. Ah bah du coup ça va être du matériel, ça c'est, bah, c'est du matériel pour augmenter ses... Faut les dépenser pour augmenter, c'est les petits quoi. Les trucs à 1 étoile ou, deux étoiles, c'est pour ça qu'on puisse les faire évoluer pour les faire augmenter jusqu'à 5. Là, je vais quand même faire augmenter ma carte jusqu'au level 10. Ça me coûte 1600 quoi. Ah. Allez, je le fais. C'est quand même Mickey de Kingdom Hearts 2, donc bon. Avant de trouver une carte mieux, je pense que je vais un peu attendre. Ok, alors, prochaine carte. Utiliser une attaque spéciale au minimum. Alors, j'ai pas lu le dernier. Et defeat 9 or more enemies. Ok, 9 ennemis minimum. Et je dois battre tous les ennemis en un tour. Allez, et c'est parti. Franchement, ce jeu me plaît bien et il est sympathique comme tout. Après, c'est pas la révolution de gameplay, mais ça reste quand même, ouais, ça reste quand même sympathique et c'est très joli à regarder, à jouer. C'est agréable. C'est l'univers, c'est voilà, c'est Kingdom Hearts. Et les musiques sont pareilles que dans les titres qu'on a l'habitude de jouer quand on s'attend à un Kingdom Hearts, on s'attend à ce genre de musique. Donc pas de surprise là-dessus. C'est maîtrisé, c'est pas mal du tout. C'est aussi, aussi fun que The World Ends With You. Voilà, c'est ça, c'est The World Ends With You. Autant pour moi, pour les,
pour ceux qui me reprocheront de le faire, tant pis pour eux. Vous avez perdu du temps, puisque tant pis. C'est voilà, The World Ends With You de Square Enix, et vraiment non, fun et sympathique à jouer, à se faire plaisir. C'est pas prise de tête, c'est rigolo, c'est joli. Visuellement, ça déboîte bien, ça envoie du pâté. Boum. Dommage, j'ai pas eu tous les ennemis et j'ai pas battu 9 ennemis plus. Bon, bah genre j'y reviendrai de toute façon. C'est ce qui est sympa, c'est voilà, ça sera la rejouabilité entre guillemets de certains niveaux où quand on va revenir plus fort, bah ce sera mieux. Ah, pens. Sympa. Et puis on reviendra voilà plus fort et ça ira mieux, il y a pas de problème. Je m'en fais pas. Là pour l'instant, je débloque niveau 10. Niveau 10 déjà quand même. J'ai encore 15 AP, j'ai encore de quoi voir venir là. J'ai encore de quoi tenir. Oh, il y a des nouveaux là. Il y avait des nouveaux, j'ai vu des nouveaux sans cœur là. Je les avais pas repérés ceux-là. Bon, boum, ça c'est fait. C'est quoi ce sans-cœur de fou là? Mais par contre, j'ai cartonné de le faire en attaque spéciale lui, parce qu'au moins il va lui faire super mal. Même s'il fera moins mal, ce sera toujours mieux que Yuna. Par contre, c'est pas évident à prendre en main là. Les niveaux sont un peu bizarres à des moments. C'est un peu difficile à prendre en main. Mais bon, on s'y fait, je pense, avec le coup. Et bon, là, je suis à la souris et au clavier, donc c'est pas non plus comme ça que ça a été pensé. Donc bref, je vais garder quand même. Non, je vais garder mon spécial. Voilà, je vais les attaquer comme ça. Très bien. Yes. Oh, level 4 et j'ai un nouvel avatar, d'accord. Ah, je peux changer son équipement en cours de route. Excellent. Expert Explorer. Punaise. Trop bien. Voilà. Un boss de raid. D'accord. Temps 10 minutes, level 1, 8000 HP. Et ça me coûte 0 AP. Très bien, bah go. Hein. Mais 8000, à mon avis, c'est un truc de raid que tout le monde doit pouvoir taper. Et Oh là 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 là. Oh là là. Cloud Kingdom Hearts 2. Pa pa pa.
Il y en a, ils sont trop chanceux. Ah ouais, carrément, je saute pour aller l'attaquer, le bastion. Alors, stunned for one turn. Ok, donc pour un tour, il est stunned. J'ai 2, 3... Ouais, je vais l'attaquer normalement. Voilà, je l'attaque normalement. C'est un... Le behemoth, il est en feu, donc en gros, je vais l'attaquer plus facilement avec ce sort-là. Allez, je balance tout. Boum! Allez, 1700. Allez, encore un coup. Avant qu'il me mette son coup, et à mon avis, il va me... Il risque de me faire mal. Ah, c'est bon, je l'ai carotte. Il était stun. Ah, excellent, trop bien. Donc je vais pouvoir le battre, en fait. Voilà, j'ai gagné. Excellent. C'est un boss de raid à moi tout seul. Non, mais ça va, tout va bien. Je l'ai limite battu en un tour, en plus. Enfin, bref. Presque level 5. Ah, et puis on a des titres en fait à la Call of Duty quoi, avec des petits oh, j'adore ça. Avec des petits dessins sur le titre. Oh là 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 là. D'accord, les boss de raid deviennent plus forts. Oh là là là, il y a du lourd, il y a du oh pff, non, c'est bon. Il y a du carrément du lourd. Quoi. Quoi? On peut augmenter... Attends, c'est quoi ce truc? Des avatars de fou. Avatar Sora, avatar Alice, avatar avec le chapelier fou, le chat du Cheshire, là. Oh là là, excellent! Bon, par contre, c'est à l'achat avec des gemmes, hein, évidemment, mais quand même, quoi, sympa. Il y a le Sora en fille et en garçon, et il y a le Riku en fille et en garçon. D'accord. Ah ouais, tu peux. Ah ouais, carrément, tu peux augmenter en fait les skins en fait que t'as, les trucs de ton avatar. Quand tu portes un skin sur toi d'avatar, en fait, tu peux le faire augmenter avec un certain nombre de trucs. Tu peux le faire augmenter pour qu'en fait, il puisse t'apporter des stats sur ton truc en fait. C'est abusé. Je trouve ça génial, moi. Allez, on est parti, on va dépenser un peu. Combien j'en ai? 98? Ouais, ça va. 5, ça coûte 5, 5, 5, 5, 5. Ouais, je devrais le faire. C'est bien, ça. HP 20. HP plus 20, c'est bien. Ça, c'est quoi? C'est... Ah oui, ça va me... Un accessoire en plus, d'accord. Et là, je peux customiser mon avatar, en fait, d'accord. Oh, c'est excellent. Trop classe. Easy going. Mortel.
Donc en fait, je suis en train de dépenser au fur et à mesure là pour augmenter les stats, tout simplement, voilà, du perso et puis de la Keyblade. Je trouve ça génial. C'est archi fun. Puis en plus, on débloque vraiment des trucs. C'est pas genre, voilà, on fait ça pour rien et basta. Non, non, ça débloque vraiment des trucs. Allez, on en a fait deux, on fera les filles plus tard. Avatar board. Donc là, je pense que je suis sur l'avatar board. Ouais, voilà, c'est ça. Menu, other, home. On va aller sur home. Voilà, tap the face icon, tout machin. Ok, name, message, playstyle, titles. Allez, les titres. Là, je vais mettre un titre. Attends, j'en ai plein. Éditer le titre A. Wilder, apprenti, building, newbie, debuted, welder, adventurer, apprentice, original, j'en ai débloqué, munisaver, ah, le rider, j'adore celui-là, il est trop beau quoi, magnifique. Titre B, le titre B, on va mettre quoi? Easy going, il est marrant, docteur, novice, adventurer, allez, adventurer, wilder, non, allez, on va mettre wilder. Mettre wilder, voilà, hop, pour le deuxième, nameplate. On peut switcher de l'un à l'autre en fait, c'est pas mal. Donc les messages. Hi. Ah, pourquoi pas, hein. Je veux dire, à un moment donné, faut se mettre toutes les chances de son côté. C'est plutôt ça. Et les outfits. Et là, on va pouvoir changer en fait ses vêtements. À la place de prendre cool black, je vais prendre casual gray ou white overall. Voilà, par exemple, je peux mettre la totalité. J'ai eu des nouveaux, voilà, tac tac. Donc ça, je vais pouvoir mettre même casual gray avec le casual gray gloves avec le close white overall. Et c'est plutôt pas mal. Allez, save. Non, c'est pas mal comme ça. Il rend bien. Il est classe pour perso. J'aime bien. Facebook, et bah c'est parti. Allez, on va vous faire du bien. C'est pour vous. Allez, hop. On va type Facebook. En gros, voilà. Je suis logué. Je peux me connecter avec mes amis. Inviter les gens à jouer. Poster mon progrès. Machin. Ok. Ok, très bien. Ah, je suis obligé. Hein. Je suis obligé. Je vais le mettre en public. Du coup, hop, tout le monde. Il m'a pas forcé, mais... C'est énorme. C'est juste énorme. Du coup, il y a ma petite icône à côté, c'est génial, j'adore. Enfin, franchement, c'est trop sympa. Ok, donc je dois pas avoir assez pour faire le truc là de ça là. Je crois que c'est 3000, un truc comme ça, donc ça va être trop. Mais par contre, on a les quêtes qui sont pas loin. Avatar Board, ça j'ai fait. Présent. Presence. Les cadeaux. Il n'y a pas de cadeaux pour l'instant. On verra plus tard. L'équipement pour l'instant, ça va. Non, ça va. Allez, les quêtes, on va continuer. On a passé le raid quand même. Ça, c'est.
suis assez content quand même. Qui c'est que j'ai qui est bon, qui c'est qui est fort, qui c'est qui est fort là-dedans. Ah, allez, boum. Ce qui me demande là, d'aller battre un monstre encore plus fort que le précédent. Ok, pas de problème. Ah zut. Ouais, you win, mais pas avec. Ouais, pas à 100% en fait. Fou. Oh! Ah, j'ai un titre encore. Niveau 5.
Yes, ça c'est fait. Bah ça va, je m'en sors pas mal. Ah, Mithril, 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 Mithril. 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 Qui dit Mithril dit équipement et dit level up de Keyblade en gros là parce que du coup on va pouvoir. Oh oui, on peut. Et bam. Oh bien. Alors, du coup le slot de feu là, on va changer des choses. Ouais, c'est pas. Là, tout de suite, c'est pas forcément la peine de faire ça. C'est un level 1 Goofy. Bon, c'est bien Goofy, mais. Coffre doré là quand même. Hein. Je sais pas ce que ça va contenir, mais coffre doré quand même. Hein. Je les ai défoncés.
Ah ouais, calme, laisse tomber. Quand il met une tarte, lui, pouf, il te met par terre. Rigole, hop. Bon, je commence à un peu faiblir. J'ai un petit peu plus de mal à faire tous les objectifs. Oula, Treasure Trove. J'ai une nouvelle quête, du coup, j'ai eu Treasure Trove. Une nouvelle Keyblade. Et un nouveau titre. Une nouvelle Keyblade! Excellent! Ah mais carrément il me laisse en galère. Mais je vais les rejoindre moi. Ah mais ils étaient que deux et... Wonderland. Ah Wonderland. Le monde de Wonderland. Oh il ouvre des portes et tout carrément. Oh le truc de malade. Je kiffe mon perso. C'est bon, je kiffe mon perso. Il est terrible. Ok. Ok, ouais, avant de faire un stage, il faut équiper la Keyblade la plus effective. Ok. Ok, donc vraiment, ça va jouer et sur le Keyblade et sur le... Ah ouais, c'est un truc de fou. Wonderland. Donc du coup... D'accord, là on voit bien la différence, mais on le voit pas vraiment dans le... Dans l'histoire, bon oui, mais filtrer, est-ce qu'on peut filtrer? D'accord, on peut filtrer les targets et tout. Ah ouais, pas mal. D'accord. Allez, on va le lancer. D'accord. En fait, chaque Keyblade, là par exemple, là j'ai la Keyblade 1. Ok, ils ont chacun leur spécialité. Donc là, c'est une Keyblade qui est plutôt globale. Starlight, elle est globale. Là, c'est plutôt une Keyblade, la pomme, donc voilà. Celle-là, elle a moins... Oh là là, elle a beaucoup moins. Ah bah oui, mais il n'y a aucun... D'accord, il n'y a personne dedans. Pff, je suis à fond. Donc, swap medals, voilà, c'est ça, c'est les médailles, il faut que je les échange, donc je vais ajouter, hop, voilà, je vais rajouter lui, hop, et je vais rajouter, bah du coup, lui, hop, Goofy. Est-ce que je peux? Ah, je peux level up. Level up, oui. Vas-y, augmente. Matériel, c'est bon. Plus 1. Plus d'attaque. Ah ouais, c'est très bien. Là, je peux encore. Ah bah, parfait. Plus 2, comme l'autre. Level up, parfait. Et donc encore plus pour le slot 3. Très bien. Je suis carrément même plus fort avec celle-là là, qu'avec la précédente. Donc je vais la garder pour l'instant. Allez, menu, on va aller aux quêtes.
Oh, énorme. Je suis au pays des merveilles. Ah, j'adore le pays des merveilles en plus, c'est génial. Ah, j'adore ce niveau. Yes! Yes! En classe. Magnifique. Franchement, au top niveau. Pouf! Ah ouais, carrément. En fait, il faudrait même que je prenne limite plus de cartes qui sont en rouge, mais bon. Ah, c'est ma carte la plus forte, même si il est pas augmenté. Voilà, il y a quand même 2700 points de dégâts. Donc même s'il est contre son... Il fera autant de dégâts qu'une attaque rouge quand il sera contre son élément, en fait. Donc bon... Ah, donc du coup on gagne quand même des médailles, des joyaux, je veux dire. On gagne quand même des joyaux en faisant juste l'histoire, tout simplement. Donc ça c'est plutôt, bah, c'est plutôt engageant. Je vais attendre. Je vais attendre les 3000. En fait en gros on peut dépenser 600 pour avoir une 3 étoiles sûre, avec une chance par jour d'obtenir ça, ou sinon en 3000 on gagne 10 médailles, et sur les 10 on est sûr d'avoir au moins une médaille avec 5 étoiles. Autant économiser comme un porc et se mettre le 3000 d'un coup et boum, voilà, faire le rond quoi. Surtout qu'avec toutes celles qui vont pas servir dans l'eau, on va sûrement trouver de quoi se faire plaisir. Sûrement des rares ou des trucs. Enfin bref. En plus de ça, on va choper le matériel pour augmenter celle qu'on vient d'attraper. Donc du coup, pour moi, ça vaut vraiment plus le coup de faire du x10 que d'attendre de faire un truc qui nous plaît pas, quoi. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le stream. Je ferai sûrement une vidéo bientôt pour présenter un peu le jeu. Parce que vraiment, il m'a plu et que je pense qu'il y a plein de trucs à dire dessus, et puis bah sûrement voilà d'autres vidéos dessus, parce que franchement il m'éclate bien, il est sympa comme tout. Allez, à bientôt sur ma chaîne, ciao ciao.